Suzanne Clermont et François Duchesne ont perdu la vie dans les événements tragiques survenus à Québec dans la nuit de samedi à dimanche. Ces événements remettent en lumière la question de l'accès aux soins en santé mentale au Québec. Même le maire Régis Labeaume souhaite un débat national. Aujourd'hui, Québec a devancé un investissement de 100 millions de dollars en argent neuf à être investi d'ici 2022. On sent donc l'urgence d'agir. Comment favoriser rapidement l'accès et le suivi, la prise en charge de personnes qui ont un problème sérieux de santé mentale? Mon premier invité sur ce sujet ce soir est Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux du Québec. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bienvenue à 24/60. Merci beaucoup, Mme Dussault. Bonsoir. Et nous sommes de tout cœur avec le peuple autrichien ce soir également. Également, oui. C'est de la violence, de la violence, de la violence. Vous avez fait une annonce importante aujourd'hui qui était réclamée, qui est généralement bien accueillie. Cela dit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'effet réel de ces mesures annoncées, cet argent investi en 2022? Comment les familles, les proches de quelqu'un qui souffre de santé mentale peut avoir la certitude que cette personne aura les soins nécessaires? Écoutez, le premier investissement, c'est pour l'accès aux services psychologiques qui sont décriés par tout le monde, les délais excessifs que l'on rencontre. On a fait une grande amélioration dans les délais d'attente, mais je crois que pour faire plus, il fallait qu'on utilise l'accès aux services privés. Et l'Ordre des psychologues nous a offert 7000 heures par semaine de psychologues qui vont venir nous aider à réduire cette liste d'attente. 7000 heures par semaine ou 7000 heures en tout? Non, 7000 heures semaine. Ah oui, OK. Et ce qu'on voulait démontrer, ce qu'on veut démontrer également, nous, notre approche en est une d'interdisciplinarité. Alors, oui, on veut utiliser les services de psychologues, mais on veut utiliser les services de tous les intervenants de première ligne qui peuvent nous donner un coup de main en santé mentale pour définitivement diminuer la liste d'attente. Oui, on va voir le tableau, si vous voulez bien, M. le ministre. On va le décliner pour le public. Donc, 35 millions en achats de services. Donc, c'est sous ce chapeau, donc, vont s'inscrire les soins en psychologie qui étaient réclamés. L'Ordre des psychologues veut bien que ce soit universel, mais là, c'est un début. Rehaussement des services. Équipe Sentinelle, on pourra en parler, donc, de l'accompagnant peut-être des services policiers. Organisme communautaire, un investissement en prévention, 5 millions de dollars, notamment pour cette fameuse ligne d'appel. Le maire Labeaume disait aujourd'hui, on ne peut faire l'économie d'un débat. Il s'interrogeait sur des questions fondamentales. Est-ce qu'au-delà de ces 100 millions, vous comptez faire ce débat national sur la santé mentale? On l'a dit beaucoup depuis des années. Moi, je l'ai dit souvent à cette émission, je l'ai dit la semaine dernière encore avec le Dr Arruda, le parent pauvre de la santé. Parce que c'est comme invisible, c'est intangible, la santé mentale, sauf quand arrivent des drames. Tout à fait. Ça représente quand même le tiers des consultations. Les investissements étaient insuffisants et ont corrigé la chose. Maintenant, on a fait deux forums en 2019 pour amorcer ce débat-là. Et ça a été stoppé par la pandémie, on s'attendait à faire des visites à travers le Québec pour rencontrer les groupes de patients, des groupes de familles. Maintenant, avec les députés de l'opposition, dans une démarche non partisane, on va continuer ce débat en travaillant avec les organismes communautaires, en travaillant avec les professionnels, pour déployer le prochain plan d'action interministériel en santé mentale. Il y a un problème réel, puis je vais m'entretenir tout à l'heure avec deux psychiatres qui travaillent notamment beaucoup auprès des jeunes et avec des équipes multidisciplinaires. Mais ce qui semble ressortir aussi au niveau des difficultés, c'est la fameuse pénurie de personnel, la pénurie de travailleurs sociaux, d'ergothérapeutes. On ne les invente pas, ces gens-là. Il faut les trouver. Non, mais je dois vous dire que depuis notre annonce du 6 mai, le premier 31 millions qu'on a injecté pour la COVID et le plan d'action santé mentale dans le contexte de COVID, on a quand même recruté 320 intervenants. Donc, c'est significatif et on en recrute chaque mois des intervenants additionnels. Donc, on croit que le 250 qu'on a annoncé la semaine dernière pour la clientèle jeunesse et les sentinelles qu'on a annoncées aujourd'hui, on va être capable de les recruter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande aux psychologues du secteur privé de nous donner un peu de temps pour nous aider à vider les listes d'attente.
dans le secteur public. Oui, vous êtes d'accord avec moi. La semaine dernière, je crois que vous vous réjouissiez que 16 000 personnes, maintenant seulement sur la liste d'attente, mais 16 000 personnes qui pouvaient attendre. Enfin, les délais d'attente qu'on avait ici, là, le temps d'attente pouvait être entre 6 et 24 mois. De la détresse pendant 6 à 24 mois avant d'avoir du service, c'est inacceptable, c'est intolérable. Je suis d'accord avec vous, ouais. Mais quand on est arrivé, on avait 28 000 sur la liste d'attente. Ouais. Et encore une fois, on essaie de changer l'approche. Au Québec, 70 % des gens sont vus par des psychologues ou des psychiatres. Nous, on veut inverser cette tendance-là, que la première ligne contribue plus à la prise en charge des problèmes de santé mentale. J'ai eu le témoignage de médecins de famille qui se sentent démunis dans leur clinique parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour référer. Peut-être que votre investissement va corriger la chose. Oui, absolument. On veut faciliter l'accès à ce fameux guichet d'accès en santé mentale. On veut le connecter avec la plateforme pour rejoindre les psychiatres. D'accord. On veut le connecter avec tous les services disponibles pour que ce soit vraiment un outil utile et rapide pour diriger les patients vers le bon service au bon moment. Bon. Deux questions rapidement pour vous, M. Carman, parce que je vais les aborder avec les psychiatres tout à l'heure. C'est certains demandent depuis des années des amendements à la loi sur la protection du malade mental qui implique un secret médical pour les proches, qui implique le refus de traitement. On peut bien interner quelqu'un pour de 36-72 heures, mais la personne a le droit de refuser un traitement et si elle refuse, on la remet en liberté parce qu'on est une société qui reconnaît les droits et libertés de la personne. Êtes-vous prêt à réfléchir sur des amendements législatifs? Même le maire Labeaume posait la question aujourd'hui. J'en ai parlé avec la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec. C'est une chose qu'il faut continuer à discuter. On parle de projets de services plus en communauté qui pourraient également aider. Mais oui, je suis ouvert à en discuter avec les psychiatres. Et surtout aussi, il faut penser au groupe de parents, aux familles de ces gens-là, aux groupes communautaires qui ont également leur mot à dire dans cette décision. Parce que souvent, les parents sont dépassés, épuisés, n'ont aucune information, veulent aider un proche qui souffre de santé mentale. Et puis, à cause du secret médical, ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas aider. Puis souvent, les drames surviennent, il est trop tard. On a entendu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Tout à fait. Puis on doit travailler aussi à déstigmatiser la maladie mentale. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose que je veux faire et que je travaille avec toutes les instances pour réussir à faire ça, mieux les intégrer dans la société. Il y a beaucoup de travail à faire, effectivement. Bien sûr. Aujourd'hui, mon collègue David Gentili rapporte que plusieurs agressions du personnel, notamment à Cité de la Santé Laval, encore un incident grave le 25 octobre. Albert Prévost, l'été dernier, un médecin avait été poignardé. Le personnel dédié à la santé mentale dans les centres hospitaliers sont dépassés, vivent dans l'inquiétude. Les juges envoient les patients-là, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour se protéger. Allez-vous faire quelque chose? Oui, bon, on veut investir aussi dans les ressources plus spécialisées, surtout au niveau de l'Institut Pinel. Mais je pense qu'il faut regarder aussi pour aider tout le monde dans tous les différents centres hospitaliers où il y a de la psychiatrie. Parce qu'on tient à notre personnel, il faut mieux les protéger, effectivement. Il faut mieux les outiller aussi. Je pense qu'il faut parler de la formation continue aussi et améliorer les pratiques à travers le Québec. Très bien, M. le ministre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.